Salut! Hello there! Dans cette vidéo, grâce à Toys.lu, on va s'unboxer une super figurine Star Wars. Puis, dans la thématique de la chaîne, on est en partenariat avec Toys.lu, numéro 1 du collector au Benelux. Je vous invite bien évidemment à aller sur le site Toys.lu si, comme nous, vous aimez les collectors, le jouet de qualité et les licences fortes et chères à nos cœurs. Toys.lu saura satisfaire tous les goûts avec ses nombreuses exclusivités. Star Wars, Black Series et Vintage, Pokémon, Transformers, G.I. Joe, Marvel Legends, Harry Potter et bien plus encore. Un grand merci à Toys.lu pour leur confiance et leur soutien. N'hésitez pas à utiliser le code promo qui s'affiche sur votre écran, Rémi en famille, pour bénéficier des frais de port gratuits. Allez, c'est parti! Ah, je crois que Rémi est là. Ah, ah, mais c'est quoi ça? Ya. Bon, si t'as fini de t'amuser, on a un unboxing à faire. Alors Rémi, comment ça va? Très bien, regarde ce qu'on a aujourd'hui grâce à Toys.lu. On va unboxer une magnifique figurine de Ahsoka Tano. La figurine d'Ahsoka Tano se présente dans cette magnifique boîte Star Wars The Black Series. Comme son nom l'indique, une boîte tout en noir avec une belle ligne ici ocre qui rappelle un peu la couleur de peau du personnage. C'est une figurine éditée par Hasbro pour les 4 ans et plus, issue de la série The Mandalorian. On a à l'arrière un artwork de Ahsoka Tano, vétérane de la guerre des clones et maintenant Jedi errante. Ahsoka Tano trace sa propre voie dans la galaxie, rectifiant les injustices qu'elle découvre. C'est la figurine 19 de cette collection que je vous propose d'ouvrir tout de suite. On va pas perdre plus de temps, on passe à l'ouverture. Cette figurine nous présente une Ahsoka Tano adulte sous les traits de l'actrice Rosario Dawson, que vous avez pu voir dans les séries The Mandalorian et le livre de Boba Fett, et que vous verrez dans sa propre série Ahsoka. Personnellement, j'ai adoré Mandalorian, un peu moins Boba Fett, mais je suis très curieux de voir la nouvelle série Ahsoka. On reconnaît d'ailleurs bien les traits de l'actrice, hein. Alors vous voyez la figurine, elle est assez détaillée, elle est très jolie. On a plusieurs articulations aux pieds, les jambes, les bras, les mains même un petit peu. Ah, même le buste, vous voyez. On dirait qu'elle danse, Rémi, regarde. Et la figurine, vous l'avez vu, est vendue avec deux sabres laser blancs, les fameux sabres laser légèrement recourbés de Ahsoka. Vous voyez. Alors, elle a un grand et un petit, effectivement, Rémi, tu as raison. Je suis pas assez connaisseur de l'univers Star Wars de la période The Clone Wars, mais peut-être que les connaisseurs pourront nous dire pourquoi elle a un sabre plus grand et un plus petit. Grâce à cette série The Black Series, les enfants et les collectionneurs pourront imaginer les plus grandes batailles des missions de la saga Star Wars. Cette série incarne la qualité et le réalisme que les passionnés de Star Wars adorent. Dans la série Black Series, Rémi, tu as des figurines comme ça. Tu peux retrouver aussi des véhicules et plein d'éléments de jeu de rôle pour te faire tout un set Star Wars. Alors on l'a pas dit, mais c'est une figurine à l'échelle 15 cm, donc bien détaillée, elle fait à peu près 15 cm de hauteur. Rémi, tu penses quoi de cette figurine? Elle est jolie, hein. Bon, alors faut savoir que Rémi, pour l'instant, bon, il a 6 ans. Star Wars, c'est pas encore une de ses licences. Ah, voyez, on peut faire comme ça avec les genoux. Star Wars, c'est pas encore une licence. Il aime bien, mais il connaît pas tellement, hein. Ça va venir, je pense, avec le temps. Surtout, du coup, si c'est issu de la série The Mandalorian, Rémi ne connaît pas du tout. Mais Rémi, dans quelques années, à mon avis, The Clone Wars, c'est une série animée que tu vas regarder et papa la regardera sûrement avec toi. Je te retrouve, le plus grand épéiste du monde. Noni ! À qui des rois ? La force, peut-être ? La plus grosse à planète. Cette figurine, ainsi que toutes les figurines de la série Black Series, est disponible sur le site Toys.lu. Et n'oubliez surtout pas votre code promo Rémi en famille. Bon Rémi, je te laisse la figurine, tu peux la mettre sur ton étagère. Oui, merci papa. Allez, sur ce, cet unboxing est terminé. On se retrouve à très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. A très bientôt. Oui, c'est la tête d'Arpador, mais tu sais ce que c'est comme objet? On va voir si tu devines. Enfin...
Hop là. C'est un lecteur CD. Je crois qu'il sait même pas ce que c'est les CD. Hop.